Semaine dernière, moi-même avec le commissaire gouvernement, nous avons fait une réunion. Nous-mêmes, dans le tribunal de première instance, on a une série d'expériences pilotes, c'est là que nous avons fait. Parce que nous avons fait ça, les comparutions immédiates. Nous avons institué comparution immédiate dans le tribunal de première instance. Côté la loi, il ne pas permettre que vous mettez mandat de dépôt à l'encontre de monde. Et vous dossier dans une situation exceptionnelle de flagrant délit. Seulement, que le commissaire gouvernement n'a ni mandat d'amener ni mandat de dépôt. Nous avons appliqué à la lettre sa porte d'instruction criminelle l'a dit pendant que nous avons organisé des audiences correctionnelles. C'est ça qui fait notre déroulement là. Nous avons même envoyé des notes par les responsables commissariat pour que les gens les déférer les voyer avant midi de manière à ce que nous fassions ça la mise en état des dossiers. Les dossiers sont venus avant midi. Le commissaire a traité l'argent en garde les lits. Si son bagage vous le voyez cabinet d'instruction, il est tout déféré le même jour, par le tribunal avec parquet dans le même bâtiment. Nous institutons permanence dans le niveau cabinet d'instruction. Tout côté chaque jour, il y a 2 à 3 juges d'instruction qui sont de service. Le dossier arrivé dans le parquet, le commissaire gouvernement, s'il a voyé le cabinet d'instruction, il tout voyait en état de mandat d'amener. Ça veut dire que nous avons trouvé un juge là. Le juge d'instruction a des possibilités pour tout faire le même jour, le jour du déferment, interrogatoire de première comparution. Comme dans la majorité, quand le dossier arrive dans le paquet, victime dans tout là, le juge d'instruction a une possibilité pour tout temps d'inculper à faire interrogatoire pour lui, pour tout temps de victime dans pour faire audition. Si le cas mérite confrontation pour le capable de gagner la parole de l'un contre la parole de l'autre, juge là, il était tout fait. Le dossier a déféré le cabinet d'instruction à temps. Ça te permet le juge d'instruction de faire au moins 3 actes d'instruction dans le même jour. Et nous, on laisse le dossier aller plus vite. Tout. Et des fois, c'est problème qui vient fait juge là pas fait traitement attends mais des fois tout un dossier vient à chasser l'autre dossier vient pas gagner priorité mais le dossier arrivé le même jour juge là on a le service au moins fait 3 actes d'instruction on sait des dossiers l'a fait instruction pas mandat pile acte le soir car le même jour juge là fait 3 actes d'instruction ça suffit pour voyer dossier à n'importe quel pour le venir requiser toi là et le tout nous devons faire comparution immédiate pour correctionnel les arrêter monio là juger monio on voit des fois son bagage qui part on délit son délit mineur, par exemple, qu'on mène à mon nom. Ou bien tout temps de mon nom, ballon peine, si mon nom mérite la vôtre, la guerre, les consorts sentis, la justice a fonctionné sans interruption, délai respecté, les consorts, ça permet du jeu de travail plus. Semaine dernière, moi-même, avec le commissaire gouvernement, nous avons fait Chita, nous avons dit, bon, nous avons dit à partir de semaine prochaine, en parlant de semaine, ça, nous avons même fixé date. Nous avons dit demain, moi-même, avec le commissaire gouvernement, nous avons siégé pour nous bailler le temps. On tout dit nous relancer comparution immédiate là dans le niveau professionnel, en plus nous relancer permanence dans le niveau cabinet d'instruction. C'est bien dommage que grève greffier vienne ralentir nos secours. Bon, nous avons souhaité que le plus rapidement possible, bon dénouement, dans la crise, pour nous capables de reprendre l'audience parce que nous avons fixé des audiences pour ce moment-là.